Merci, merci d'être présent pour cette première journée euh, qui est un lundi. Merci d'avoir fait le sacrifice de cette soirée pour la passer avec nous. Euh, alors, cette semaine est un peu particulière, effectivement, parce que nous allons traiter des institutions en Égypte antique. Et j'ai souhaité commencer par le nom de l'Égypte antique, car je sais que chacun d'entre vous ici présent a une idée plus ou moins claire euh, de ce que signifie le nom de l'Égypte. Et on va voir euh, dans le détail ce que ça veut dire. Et je suis sûr que nous irons de surprise en surprise. Alors sans plus tarder, parce qu'on a déjà pris un petit retard, euh, je veux juste que tu puisses éteindre parce qu'on va commencer. Voilà. Donc euh, je commencerai par me présenter. Euh, mon nom est Dibon Barimboc, je suis historien, conférencier, écrivain, auteur d'un certain nombre d'ouvrages déjà parus qui portent essentiellement sur les humanités fondamentales, euh, c'est-à-dire euh, le corpus en fait principal qui, euh, qui unit les peuples euh, d'Afrique en général et d'Afrique au sud du Sahara en particulier. Initiateur également d'une plateforme que j'appelle à contrario, qui est une plateforme dédiée la, aux humanités fondamentales, qui a vocation donc à les diffuser, à les populariser. Euh, cette semaine, nous avons donc, euh, enfin les deux dernières semaines, nous avons euh, étudié donc ce fascicule, qui est le fascicule de l'école des scribes, la méthode Kuma, parce que je suis à Paris en fait dans le cadre d'une formation, formation qui porte donc sur les humanités fondamentales et spécifiquement sur la méthode Kuma, qui est la lecture des hiéroglyphes à partir des langues africaines. Le premier module a porté donc sur euh, de l'Éthiopie à l'Égypte. Il s'agissait d'introduire euh, la, la civilisation égyptienne dans son creuset africain. Et le second module était, portait plutôt sur euh, la, la technique, donc la manière euh, de procéder lorsqu'on souhaite euh, lire les hiéroglyphes avec une démarche analytique. Alors, d'ici quelques jours, hein, demain ou après-demain, ces ouvrages seront présents ici à Tamiri, car ils sont déjà en commande, ils sont déjà, ils sont en train d'arriver. Euh, donc, pour ceux qui le souhaitent, ils auront largement de quoi, de quoi lire, de quoi, enfin, pourront découvrir ce que nous faisons euh, en formation. La méthode Kuma, euh, voici son, son nom tel que je l'ai conçu euh, du point de vue des hiéroglyphes, c'est-à-dire à l'aide des, des outils qui nous permettent finalement d'approcher l'écriture de nos ancêtres. Donc, cette, 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 cette graphie se lit la méthode pour trouver, la méthode pour trouver, ok parce que c'est le verbe trouver en égyptien pharaonique qui est représenté par un ibis, l'ibis noir, et je traduis par méthode Kuma, parce que l'ibis s'appelle Kuma, dans un, un nombre considérable de, de langues africaines. Donc, pour traduire la méthode Kuma, c'est cet ensemble idéographique qui va nous permettre finalement de le comprendre. La méthode pour trouver, et vous allez comprendre pourquoi je dis pour trouver et non pour chercher. Cette déclaration est également intéressante, c'est elle qui permet en fait de légitimer la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire d'user de la métaphore pour le traitement des hiéroglyphes. Elle est de Diodore de Sicile, qui était un auteur grec qui a vécu autour du 1er siècle avant Jules César. Hein? Donc pour ne rien omettre de ce qui peut servir à la connaissance de l'Antiquité, nous devons dire quelque chose des lettres éthiopiennes auxquelles les Égyptiens ont donné le nom d'hiéroglyphe. Et ce n'est pas de la réunion, la réunion des caractères ou des syllabes que résulte le discours écrit, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés, signification que l'exercice seul de la mémoire apprend à retenir. Donc tout est clair là-dedans. Diodore nous dit que ces lettres sont des lettres éthiopiennes, donc les hiéroglyphes sont des lettres éthiopiennes. L'Éthiopie, pour Diodore de Sicile, c'est le midi, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, c'est cette région que j'ai... J'ai présenté tout à l'heure. Donc les Égyptiens venaient de là, donc les langues, la langue qu'ils parlaient procédait également de cette région. Il nous dit ensuite qu'il ne faut pas procéder par syllabisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement translittérer comme on le fait actuellement, mais que l'intelligence de cette écriture, de ce, de ce système d'écriture procède par la métaphore, la signification métaphorique. Naturellement, il est relativement excessif puisqu'on sait quand même que les hiéroglyphes, euh, euh, l'élément alphabétique subsiste au sein des caractères sacrés, on le sait, puisque le Copte en rend compte. Donc, euh, sa conclusion est plutôt radicale, mais il a quand même porté, le, 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 comment dire, l'argument le, le, la, 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 sur un point essentiel qui est totalement ignoré, totalement ignoré par les les, les, les lorsqu'elle actuelles lorsqu traitent des hiéroglyphes, puisque la métaphore c'est très très superficiel. On n'en parle même pas. Et qu'est-ce que c'est que la métaphore Alors la métaphore. D'après le grec, parce que c'est un mot qui procède du grec métaphora, qui signifie transport. La métaphore, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. C'est ce que dit Aristote dans la poétique. C'est lui le premier qui en parle, le premier grec qui en parle. Et naturellement, Diodore de Sicile s'inscrit dans cette tradition lorsqu'il parle de la métaphore, puisque Aristote, c'est son compatriote. Il parle le grec. Donc, quand il parle de métaphore, il veut dire le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Et en français, en réalité, c'est l'homophonie ou l'homonymie. Donc, ce n'est pas tout à fait la métaphore telle que la langue française saisit ce concept, puisque, naturellement, il y a toujours le phénomène d'analogie qui est réel. Mais pour les Grecs, la métaphore, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Donc, c'est l'homophonie ou l'homonymie en bon français. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le comprendre de cette façon. Et généralement, pour illustrer ce propos, j'use du rébut, principe du rébut, où, naturellement, il faut solliciter le nom de l'objet dessiné pour comprendre ce qui est dit. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire. Euh, à part ceux qui étaient en formation, bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cette, ce, ce rébut Nous dire ce que c'est Oui. Oui, maternité. Maternité. D'accord Oui, maternité. Donc, c'est ça. Ça montre qu'on peut produire de l'intelligence avec des signes sans avoir à faire de longs discours. Mais la condition pour pouvoir lire ceci, c'est parler la langue française. Donc, on doit parler la langue pour comprendre. Et c'est un, un bon début hein, pour comprendre comment fonctionnent les hiéroglyphes, parce que vous allez voir souvent, on va très vite à l'alphabétisation en imaginant que les signes gravés n'ont pas de sens. Pourtant, il y a là toute une intelligence, et c'est sur ce point que je souhaite vous amener. Il faut comprendre que la lecture analytique. La lecture phonétique, c'est bien. La lecture analytique, vous allez voir où elle va nous mener quand on va traiter du nom de l'Égypte. Vous ne soupçonnez même pas jusqu'à quel point ce concept est riche. On ne le soupçonne pas, naturellement, puisqu'on se limite à quelques éléments superficiels. Bon. Voici ce que dit Champollion. C'est une citation que je reprends à chaque fois parce qu'elle permet de mettre en perspective, en fait, euh, les, 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 la démarche, en quelque sorte, qui est la nôtre. Il dit ceci euh, dans sa grammaire égyptienne c'est par l'analyse raisonnée de la langue des pharaons que l'ethnographie décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique ou bien si elle descendit avec le fleuve divinisé c'est à dire le nil des plateaux de l'afrique centrale ce qu'il appelle ici analyse raisonnée c'est ce que nous faisons c'est la lecture analytique c'est la lecture analytique qui permet d'une manière définitive de trancher la question de l'origine des populations qu'on appelle les anciens égyptiens. c'est clair. Parce que le phonétisme n'y parvient pas tout à fait, puisqu'on rencontre encore aujourd'hui des personnes qui disputent l'origine des anciens Égyptiens et prétendent qu'ils venaient éventuellement d'Asie ou ce genre de choses. Avec la langue, on per... ça permet de trancher ce débat une bonne fois pour toutes. Et Champoleon, ici, donc, met en perspective deux choses. D'une part, l'Asie et d'autre part, le plateau de l'Afrique centrale. Généralement, aujourd'hui, on ne parle même plus des plateaux de l'Afrique centrale lorsqu'on parle de l'Égypte. Hein, parce qu'on imagine que ce sont, ce sont des populations qui sont venues d'Asie, donc parler une langue sémitique. Mais c'est bien de comprendre que celui qui passe pour avoir déchiffré donc, les hiéroglyphes, puisqu'il a, il a, il a fait un travail remarquable euh, sur la, pierre, la fameuse pierre de Rosette eh bien, c'est quand même important de savoir qu'à son époque, il avait quand même ces deux perspectives. il, il restait donc à, à aller à cette analyse raisonnée. et c'est celle-là, hein, que nous faisons, c'est-à-dire la lecture analytique, c'est celle-là qui permet vraiment de trancher euh, cette question d'une manière tout à fait définitive. lecture analytique, méthode kuma, donc application, si je veux prendre un exemple pour, euh, pour illustrer ce que je dis. car les belles phrases, c'est bien, mais la chose même, c'est encore mieux. OK? Donc, on va prendre un exemple avant d'entrer dans le sujet qui nous rassemble ce soir. Cet exemple, c'est quoi? C'est l'arithmétique en Égyptien ancien. Okay? L'arithmétique en Égyptien ancien. On va voir comment nos ancêtres conçoivent la chose, comment la chose se passe. Okay? Voici le groupe idéographique pour dire la méthode pour calculer. OK? La méthode pour calculer. Calculer, en Égyptien pharaonique, se rend avec l'œil. Donc, c'est un verbe qui veut dire faire ou calculer. D'accord? Okay? Bon. Ici, si je donne donc la référence, c'est traduction, faire, calculer. Donc, on va focaliser sur le verbe calculer qui est rendu par un œil. Un Égyptien ancien, donc on dessine l'œil pour dire calculer. Euh, la source est ici, c'est un livre de Mar Maria Michel qui est présent d'ailleurs ici, les mathématiques en Égypte, en, en Égypte antique. Donc, généralement, on translitère, donc ceux qui font l'égyptologie euh, classique, entre guillemets, vont translitérer « Ok. Et je vais vous montrer que je n'ai pas besoin de translittérer pour comprendre ce qui est dit ici. Parce que j'ai la ressource du copte, ce qui est généralement peu sollicité, malheureusement, parce que le copte a quand même enregistré un ensemble de faits qui nous permettent euh, finalement de comprendre euh, ce qui est en train d'être dit. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi nos ancêtres nous disent que c'est l'œil qui veut dire calculer. Pourquoi on utilise l'œil pour traduire le verbe calculer. Okay? Je vais donc introduire le copte brièvement. Je vais citer ici Alexis Malon, qui a publié donc une grammaire copte il y a quelques années déjà. Euh, alors il dit ceci. C'est pour que vous sachiez ce que c'est que la langue copte. La langue copte n'est autre que la langue égyptienne dans sa dernière période. L'égyptien a été parlé dans la vallée du Nil depuis une époque qui échappe à l'histoire. Les plus anciens documents écrits qui subsistent encore peuvent dater de 4000 ans avant Jules César. Durant cette longue période, la langue a subi plusieurs transformations et considérablement évolué. Le copte est le dernier stade de cette évolution. Commençant avec le christianisme en Égypte, la langue copte fleurit jusqu'à la conquête musulmane donc autour du 7e siècle. À partir de cette époque, elle fut peu à peu supplantée par l'arabe et c'est ça complètement d'être parlé vers le 17e siècle. Elle est aujourd'hui encore employée dans la liturgie. Le copte a été écrit au moins dès le 3e siècle. Il possède une littérature en majeure partie biblique et ecclésiastique. Les textes, les textes purement profanes sont relativement peu nombreux. Okay, donc vous voyez que le copte apparaît autour du IIIe siècle, est qui est relativement récent. Et j'ai toujours euh, euh, à cœur de rappeler que le copte, c'est un peu le phénomène euh, qui, qui rend compte de ce qu'on a appelé le créole. Dans les Antilles, c'était en plus ce qui s'est passé parce que c'était des besoins ponctuels et répondre à, une, à un besoin ponctuel. Donc le Copte est, et a été créé pour des besoins spécifiques parce que l'Égypte étant colonisée, il fallait faciliter l'administration du pays et naturellement on a utilisé donc des lettres de l'alphabet grec pour pouvoir. Mais le Copte a quand même enregistré un ensemble de mots hein, qui procèdent des graphies égyptiennes. C'est ce qui montre et, et le Copte permet de comprendre que l'écriture égyptienne Contient l'élément alphabétique. Parce que quand on voit les sorties en copte, on comprend naturellement de quoi il s'agit. Ok? Bon. Alors, le nom de l'œil en copte, le voici. Hein, je rappelle que nous sommes en train de traiter du verbe calculer. D'accord? verbe calculer. Donc, le nom de l'œil en copte, le voici. On va dire eyat ou yet pour dire œil en copte. Et comme je, je vous ai dit une chose, hein, ne perdez pas de vue une chose, nous sommes en train de dire que la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Ça veut dire que lorsque l'ancêtre vous dit que, pour dire calculer, qui est un concept, parce qu'on ne peut pas représenter calculer, il faut user d'un symbole, d'un signe, quelque chose que tout le monde connaît pour pouvoir rendre compte de ce, de ce verbe. Et généralement, ce qui est le plus immédiatement accessible, c'est l'homophonie. C'est-à-dire que je représente un objet qui porte le même nom que le concept que je veux rendre. Donc, ici, en l'occurrence, c'est l'œil. D'accord J'espère que tout le monde comprend. OK Ici, en l'occurrence, c'est l'œil. Donc, à partir du nom de l'œil, je suis censé savoir ce que dit le scribe. Pourquoi il me dit que l'œil veut dire calculer D'accord C'est ça. Donc, euh, je précise, donc en forme de précision, que le verbe calculer en égyptien pharaonique, c'est un œil. L'œil, vous savez, naturellement, c'est Osiris on y reviendra peut-être. Et cet objet, donc cet œil, cet organe, a un nom en copte qui est « eyat » ou « iyet », parfois on dit « iyer » aussi en copte. Ce sont des formes admises dépendamment euh, du dialecte, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs dialectes, entre guillemets, en copte. Mais le copte classique passe pour être le copte saïdique. Généralement, c'est lui qui est qui est utilisé euh, dans les correspondances. Okay? Alors, ce qu'on observe, déjà en partant, c'est que ce verbe-ci, ce mot-ci en copte, « eyat » ou « iyet »,« œil », en fait, correspond au verbe calculé dans les langues du Soudan. On va vous dire en Bamanan, jate, compter, calculé, considéré, en Ajamba, donc chez les dogons, jate. Hein, c'est une structure phonétique identique. Hein, J'espère que vous le voyez comme moi. Parce que le i, c'est un j. Okay, donc c'est une mutation phonétique régulière, c'est ce que je veux dire. Sans être... Euh, faire, sans faire des choses compliquées. Parce que naturellement. Le but n'est pas de compliquer la chose. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Mais c'est une mutation phonétique régulière. Ce eat ou ce iet, c'est jate. C'est le même mot. Ce n'est qu'une mutation phonétique. Le tombeau, se va dire jada pour dire compter, calculer. Le jam, c'est jate, Compter, calculer. Le béni, jate, Compter, calculer. Le togokan, chez les dogons, jata, Compter, calculer. dama, jadi, Compter, calculer. Le sonenke, djate. Compter, euh, nombre, quantité, tenir en compte. Voici pourquoi, déjà en forme d'entrée, l'ancêtre vous dit que pour dire calculer, j'utilise l'œil. Pourquoi Parce que l'œil en copte porte ce nom, mais le copte n'est qu'une forme singulière dans l'ensemble des langues africaines. D'accord Parce que le copte a des homophones dans les langues africaines qui signifie calculer. Le copte, le nom de l'œil en copte, a des homophones au sein des langues africaines pour rendre compte du verbe calculer, raison pour laquelle on utilise donc l'œil. Donc, et ça c'était pour le domaine soudanais. Je, je vais maintenant dans le domaine bantou. Je prends la langue bassa par exemple. En bassa, on va dire jat pour dire unité d'un tout. C'est une mutation phonétique de eat, C'est le même mot quant au fond. Unité d'un tout en bassa. Ce, le, ce mot jat en bassa est, est issu d'un verbe qui est at qui signifie unir, joindre. Et le bassa dit également hot pour dire calculer. Le basa va dire yada pour dire un. OK? Et je vais faire observer que ce, le bassa yada, c'est une mutation phonétique, euh, je vais faire ça encore plus clair, du tombus ou djada, qui est le même mot. Donc, tombus va dire djada pour dire compter, calculer. Quand le, le sonenke va dire djata et compter, nombre, quantité, tenir en compte, le bassa va dire yada pour dire un, djad, pour dire unité d'un tout. Pourquoi cela a une forme de pertinence Parce qu'on parle seulement de ceci que vous connaissez très bien. C'est cet œil que l'égyptologie appelle ou On ne dit pas ou N'existe pas, c'est une convention égyptologique. Le mot c'est djat, djaté ou djata. La structure phonétique ici là c'est djat, c'est ça, c'est djata, c'est le, le lion. Voilà pourquoi c'est l'œil d'Horus. Et vous savez que cet œil d'Horus, quelle est sa fonction en égyptien pharaonique C'est lui qui codifie les fractions. C'est lui qui codifie les fractions, se sert de cet œil pour rendre compte des fractions en égyptien pharaonique. Donc on va donc séparer, distinguer les éléments de cet œil pour vous dire que. La partie du blanc de l'œil, c'est un demi. La pupille de l'œil, c'est un quart. Le sourcil, c'est un huitième. L'autre partie du blanc de l'œil, c'est un seizième, etc. etc., Sauf en bassa, on construit exactement les fractions de la même façon. En bassa, on va dire yada ou wada. C'est-à-dire ou c'est ça, c'est le mot en fait. Pour dire un dixième, yada ikere djom en bassa, c'est un dixième. C'est-à-dire un dans dix. Yada, c'est ça, c'est l'œil. Un quart, yada ikere bina. Un quart. Un cinquième. Yara bitan. Donc, un dans cinq. Un demi. Yara Biba, Un dans deux. Un seizième. Yara bisamal. OK? Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous trouvez ceci, donc, illustré de cette façon, enfin, pour rendre compte des fractions. Parce que le mot, c'est yara. Hein? C'est compté, etc., etc. Donc, c'est comme ça que c'est rendu. Et il n'y a que la lecture euh, analytique qui permet vraiment de l'illustrer de manière tout à fait définitive. Avec ça, personne ne peut contester le caractère typiquement africain de cette science. Personne ne peut vous dire que c'est faux. Personne. Ça n'existe pas. Parce que tant qu'on vous dit Oujat, ils peuvent toujours faire des difficultés. voilà. Mais c'est un mot qui existe dans les langues africaines pour dire compter. Et on se sert de l'œil. Et Jata, c'est Horus. Et Horus, c'est Shunjata. Ça, c'est clair, je le dis. Hein, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment le lion. C'est vraiment ça. C'est Horus. C'est lui-même. Donc, c'est comme ça qu'il faut... Appréhender la chose pour avoir un résultat cohérent. C'est-à-dire que, avec ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Okay? La méthode pour calculer, il y a une autre façon de rendre compte du calcul en égyptien pharaonique. Cette fois-ci, on se sert de ce signe. D'accord? On a vu l'œil, mais parfois le scribe remplace l'œil par ce signe, suivi de ce déterminatif qui est en fait un rouleau de papyrus scellé qui rencontre des notions abstraites. C'est ça. Il rencontre des notions abstraites. D'accord? Donc, calculer, c'est une notion abstraite. On ne peut pas, c'est un concept. Donc, méthode pour calculer, c'est comme ça que c'est rendu. C'est comme ça que ça se dit. Et on se sert donc de ce, de ce signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons ce signe? Naturellement, il faut le singulariser. Il veut dire calculer. Et il est translittéré HSB. Dans le manuels d'égyptologie, on vous dit que la valeur de ce groupe idéographique, c'est HSB. OK? Et sur cette base, naturellement, on va vous dire que c'est la preuve que les Égyptiens parlaient une langue sémitique. Parce que tout de suite, on va vous faire sortir cette série. C'est ça, c'est la tutelle que l'égyptologie accepte. Puisque la racine qu'il dégage, c'est HSB. L'arabe va dire Asaba. Pour dire calculer, compter, il va dire, ben super, les Égyptiens parlaient donc une langue sémitique. Puisque Asaba, c'est l'arabe. Et ils vont dire Asab, faire les comptes, faire le bilan, régler les comptes. Isab, arithmétique, calcul. Isabi. Arithmétique, mathématique. Sauf que le même mot existe dans les langues africaines. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, dans ce cas, on va vous dire que les langues africaines ont emprunté à l'arabe. Voilà. Parce que, étant tous musulmans, on assume qu'ils nous ont appris à calculer. Vous comprenez C'est un peu la chose qui se passe. Donc, le Moubi, au tchad, va dire Asaba, compter. Il faut fouler Asaba, quantité indéterminée. Il faut fouler l'arithmétique. Aoussa, Isabi, la science des mathématiques. Noupé, Isabi, calcul des nombres. Soheli, et Sabu, Isabu, le calcul de l'arithmétique. Le Kanuri, enfin, ce sont des exemples, hein. il y en a, a d'autres. Dans le Kanuri va dire au Nigeria, Isap, pour dire incontable, sans fin. D'accord Mais le problème qui se pose ici, c'est qu'on est, est coincé. Parce que, pour se dégager de cette tutelle, puisqu'elle est, elle est d'autorité, on vous dit que. Non, c'est les Arabes qui vous ont appris. D'autant plus que les nombres sont dits, les, enfin les chiffres, les nombres sont dits, les, 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 les chiffres arabes. Donc, on vous dit que ce sont les Arabes qui ont codifié de 1 à 9, et puis voilà, ce sont les chiffres arabes. Donc, comment tu vas contester cela? Il y a une façon <laughs> de le faire qui est remarquable. Grâce à la méthode Kuma, pour montrer que ce n'est pas l'Arabe qui nous a appris à dire compter, c'est nous qui avons appris aux Arabes à dire compter. C'est l'inverse qui est vrai. C'est Ce d'autant plus que, naturellement, la civilisation égyptienne existe bien avant l'existence du premier arabe. Ça, c'est clair. Donc, question. Comment faire pour savoir que c'est un mot africain qui est passé dans la langue arabe et non l'inverse Comment faire pour savoir que c'est un mot africain qui est passé dans la langue arabe et non l'inverse Je pose la question à la sœur ici présente. Comment faire Quand j'ai un groupe idéographique comme celui-ci, OK je me pose la question, puisque l'égyptologie me dit que ça, ce, ce groupe idéographique, transitéré HSB, correspond à l'arabe Asaba. Et je trouve dans les langues africaines la même forme. Et on me dit que non, les Africains ont emprunté aux Arabes. Mais comment je peux faire pour trouver la vérité, pour me dégager de, 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 de cette difficulté, parce que je sais que l'Égyptien ancien, c'est une langue africaine. Comment je peux faire pour montrer que non, ce n'est pas l'arabe, c'est plutôt nous qui avons porté le. U cette notion vers les, les sémites qu'est ce que c'est que la lecture analytique qu'est ce que c'est que la métaphore non c'est pas tout à fait ça qu'est ce que c'est que la métaphore c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre l'homophonie et j'ai un objet Ici, que je ne sais pas encore identifier. Comment faire pour savoir Il y a une façon simple. C'est pas compliqué, à vrai dire. Ah, ben tu peux le connaître. Ben c'est déjà un bon début. C'est ça, identifier l'objet. On doit Vous devez identifier. Vous devez savoir ce que c'est. Parce que sachant ce que c'est, cette chose a un nom dans les langues africaines. Et c'est à partir de ce nom, le nom de cette chose, que vous allez comprendre tout ça. C'est-à-dire que c'est parce que si on procède simplement par une lecture euh, phonétique, on n'a pas tout à fait la chose. On aura toujours des discussions à l'infini. Mais le nom de ça en Afrique, si ça veut dire aussi calculer, c'est échec et maths. Parce que chez les Arabes, ce ne sera pas le cas, ça c'est clair. Et vous allez comprendre. Donc, méthode pour trouver. Seule la méthode Kuma est capable d'apporter une réponse définitive à cette question, c'est-à-dire à savoir si l'Afrique a emprunté de l'arabe ou l'inverse. Il n'y a pas d'autre façon de faire parce que tant que vous êtes dans le phonétisme, vous trouverez, vous trouverez toujours quelqu'un pour faire l'intelligent. Mais à partir du moment où vous allez à l'analyse, les choses paraissent beaucoup plus claires et ça pour tout le monde. Donc, identifier et nommer l'objet dessiné au sein des langues africaines. Cet objet-ci, on doit l'identifier et le nommer. Aucun besoin, et je le dis, je, je transitère ici pour information, mais je n'ai même pas besoin de transitérer. Aucun besoin de transitérer car le code suffira pour la vérification. Le copte doit me servir à vérifier mon résultat. Bon, cet objet le voici. Ce signe le voici. Signification. Maladie, état du corps, enflé, odeur, excrément, sale, un quart. Description. Pustule ou substitut de divers signes. Commentaire, substitut de divers signes, argile, bottes de produits, bandés, embaumées, linceul, granit, éléphantine, qui est une ville, bois de conifères d'origine étrangère. Naturellement, dans l'exercice de, de recherche, vous allez donc sortir les séries le vocabulaire pour maladie, état du corps, enflé, odeur, excréments, sale, un quart. Dans tout ça, vous allez avoir un constat simple, c'est que. Ces, 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 euh, ces différents sens sont pertinents pour le signe, mais ça dépend du thème idéographique dans lequel il paraît. Parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que ce signe, en réalité, rend compte de la notion d'escriment. D'escriment, d'accord Quand vous allez faire l'exercice de vérification, c'est cette, cette, cette série-ci qui va sortir pour vous montrer qu'en réalité, le verbe, le mot asaba hein, que les Arabes ont tenu, procède des, du, mot, du nom de l'escriment au sein des langues africaines. Okay? Qui est cet objet représenté? C'est déjà un bon un pas sûr dans la démonstration qui consiste à rappeler qu'en réalité, ce sont les Africains qui ont apporté ce mot et non l'inverse. Pourquoi? Parce que quand je dis en bambara, sofe, excrément impureté, je dis en bozo, sobi ou sopi, excrément en sonenke, sobe, excrément en jevové, tobi, excrément en sobi, excrément en douma, sibi excrément en bassa, sibi ou yibi. Excrément, à Nani, Côte d'Ivoire, et La suite parle la même langue. Hein. J'espère que vous voyez que ce sont des mutations d'un de même thème. Ok, oui. Soba. Ben bah, voilà. Ah ok. Ben bah, ouais. Ok. C'est ça. Bi. C'est ça. Donc le Kenya, en Tanzanie, Shifi. Excrément, d'accord. Et si je montre les correspondances phonétiques. T devient TS, devient S, devient, c'est ça. C'est un ce même mot qui mute. C'est pas des mots différents parce que je sais qu'on n'est pas tous linguistes et euh, on n'a même pas besoin de l'être. La vérité, c'est simplement d'observer les mutations phonétiques. Elles sont régulières. Parce que dans les langues africaines, le B devient un P qui devient un F, qui devient aussi un W, un V. D'accord? C'est des mutations régulières. Okay Donc, déjà, j'ai une première série qui m'interpelle. Excrément. Sobe, tobe, sobi, tibi. Intéressant. Je fais donc une comparaison. Voici les mots de l'excrément. Voici les mots pour l'arithmétique. Je constate que Ambassa, quand je dis sibi pour dire excrément, c'est la même chose que le noupé isabi. Pourquoi Parce que mutation phonétique qui intervient ici, c'est ce qu'on appelle une prothèse. En Abidji, par exemple, je veux dire sibi en noupé isabi. La prothèse c'est le, le, dé, le développement, à l'initial d'un mot, d'un élément non étymologique. Donc cette syllabe « yi » ne fait pas partir de la racine. Ce pas, elle elle s'est greffée au mot, en fait, en quelque sorte. Parce que le mot, c'est « sibi »,« yisabi », c'est le même mot. D'accord Voilà pourquoi notre ancêtre se sert de l'excrément pour rendre compte du calcul. Parce qu'il sait que quand je dis « sibi », c'est la même chose que « yisabi ». Hein? Ce n'est qu'une question de recherche. Et je vous garantis qu'en faisant des recherches, même vous allez trouver le mot exact. Ce n'est qu'une question d'opportunité, de recherche. Les langues africaines, il y en a un certain nombre. Mais déjà avec cette série, et par le, le moyen de la mutation phonétique qui est connue, régulière, qu'on appelle la prothèse, eh bien je sais que c'est le mot africain, le nom de l'excrément, qui donne le thème du calcul. Et c'est enregistré par le scribe à travers ce signe. Donc ça, ce sont les langues africaines qui produisent le mot. Parce que l'ancêtre sait. Que quand je vais dire excrément, c'est un mot qui ressemble. C'est un homophone pour arithmétique. Vous voyez Donc, ça montre que c'est l'Africain qui a produit cette connaissance. L'arabe n'a fait que prendre le mot. Parce qu'en arabe, tu vas dire excrément, c'est autre chose. Ce n'est pas ça du tout. D'accord Ça montre que là, il y a une logique. Ça, ce sont les mêmes langues. Hein? Là où ça, le Noup, le Kanouri, c'est au Nigeria. Là, c'est au Cameroun. Je dis aujourd'hui, on dit Cameroun, Nigeria, mais avant, c'était les mêmes peuples. Hein? Il n'y avait pas ces frontières. Donc, il faut bien comprendre la chose. OK Donc, c'est ça. Alors, on procède. On poursuit, le Bamanan va dire donc saufé, excrément, impureté, toxine. Quand en wolof, je vais dire c'est pour dire calculer. Hein? En wolof, faire c'est calculer. Et en bas je vais dire hibi pour dire l'excrément. En nani, Côte d'Ivoire, je vais dire Ebi", pour dire l'excrément. Et je me rends compte que le Copte dit hip ou hep pour dire calculer, compter, estimer, calcul, compte. C'est le nom de l'excrément. En Côte d'Ivoire, au Cameroun et d'autres langues, comme on vient de le voir. Le copte doit, a donc à enregistrer le mot hep ». parce que hep », c'est hebi, hein, c'est la même chose, c'est une mutation phonétique, euh, vous le voyez comme moi. Donc c'est compter, calculer, estimer. Calcul, compte. D'accord Bon, je me rends compte qu'en bambara je vais dire saufé excrément, impureté, toxine. En wolof, c'est faire, compter. Et c'est le mot que l'arabe utilise pour dire chiffre, chiffre, le vide, safar, deuxième mois du calendrier. C'est faire chez les Albanais, deuxième mois du calendrier. Le latin va dire cifra, zéro. Le français va dire chiffre, symbole utilisé pour écrire un nombre. C'est ça. Ouais, ça sort de l'Afrique. C'est les Africains qui donnent ça. C'est les langues africaines qui produisent. Parce que je me base sur l'excrément. C'est-à-dire que ce que le scribe a enregistré, personne ne peut vous, vous disputer ça. Personne ne peut vous dire que c'est faux. Parce que la graphie existe. Donc à partir de là, vous comprenez que le mot chiffre. Il n'y a pas de chiffres arabes, ça n'existe que dans les mythes. Dans la vraie vie, c'est les Africains qui ont produit la science du nombre. Ok, okay. Pas à Non, Pourquoi ils vont euh, s'arrêter au latin, à éventuellement à l'arabe. Ils vont monter jusqu'à l'arabe, parce que voilà, ils vont dire que ce sont les arabes qui ont porté les chiffres en Europe, ou le mot chiffre en Europe. Mais ce n'est pas vrai. Quand on voit le Wolof, c'est faire, c'est le même mot. C'est faire, chiffre, c'est le même mot. D'accord Ce n'est qu'une mutation contextuelle. Donc, on poursuit. Le bozo. On va donc dire sobi excrément ou sopi excrément en copte. Je vais dire chibé changer transformer, shobé devenir changement en wolof sopi devenir transformer. Et je rencontre ce cher monsieur ici il y avait une image qui ne paraît pas parce que c'est le scarabée bousier avec son excrément, la boule d'excrément. C'est ça le nombre. Voilà pourquoi c'est un débit urge. Il va créer le monde avec les nombres. Voilà pourquoi les pythagoriciens. On va vous faire toute une littérature en disant que tout est nombre. Parce que les nombres, ce sont des dieux. Quand Atum, qui est ce scarabée qui père, sort du noun, il procède par hypostase. Il crée neuf divin. Enfin, il, il, procède, il, va, il va générer une énéade. Donc on compte jusqu'à neuf. Vous savez que neuf, c'est le maximum dans les langues africaines, puisque euh, le chiffre neuf euh, n'a pas de... de, de enfin, il n'y a pas plus grand que le chiffre neuf. Donc, c'est neuf, c'est-à-dire chou, tefnut, ce sont les nombres. Entre autres, c'est pas seulement ça. Donc, les nombres sont des dieux. Voilà pourquoi on va vous dire que tout est nombre. Et voilà pourquoi il a cette boule d'excrément. Cette boule d'excrément, c'est le nombre. Con conceptuellement, c'est ça. J'espère que vous saisissez la chose. C'est important de comprendre la symbolique. C'est dommage que l'image ne paraisse pas, je sais pas. <laughs> Parce que vous aurez vu, vous aurez vu la chose clairement. Mais, euh, donc c'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est le principe du devenir. Parce que les mots du devenir deviennent les mots de l'excrément. Et, euh, Est-ce que, est que vous savez comment s'appelle l'Ibis en copte? Bon. Iboui. Hip. Hep. Dépendamment du dialecte. Ça veut dire compter, calculer, estimer, compte, calcul. En bassin, on dit Ibis. C'est l'excrément. C'est exactement le nom de l'Ibis. Voilà pourquoi il va inventer le calcul. On dit que c'est Thoth qui a inventé le calcul. Thoth est représenté par un Ibis. D'accord? Donc, quand on vous représente cette image, le scarabée bousillé avec sa boule, vous ne voyez pas Thoth. Mais toth est dans cette boule. Hein? Parce que toth est aussi un demi-urge dans la cosmogonie hermopolitaine. C'est lui qui crée le monde par le verbe, certes. Mais c'est lui qui crée euh, le nombre. C'est lui qui crée le calcul, la géométrie, l'arithmétique et tout euh, en Égypte. C'est ce qu'on dit ici. C'est ce que Platon dit dans Phèdre. J'ai donc eu dire qu'il existait près de Nocratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays. Et qu'à ce dieu, les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appelaient Ibis. Ce dieu se nommait toth. C'est lui qui le premier inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tritrac, les dés et enfin l'écriture. Voilà pourquoi on lui attribue toutes ces choses, parce que le nom même que porte euh, eh bien, se rapporte dire, directement au nom de Libye sans copte. C'est Hep, Hip, c'est Hebi, Yibi, ambassade Yibi, c'est l'excrément. Okay? Donc, je reprends. Pourquoi je sais que c'est lui Il suffit d'observer cette graphique qui est son nom. Vous avez aussi le thème de la dualité. Pour dire deux, c'est son nom. En bassin, je vais dire Iba, deux. C'est hibi, c'est la même chose. En ananan, Iba, deux. Idoma, epa »,« deux. Pour ne citer que ces exemples. Parce que c'est généralement dans la langue bantou, c'est la même forme qu'on utilise pour dire deux. On va l'appeler donc le deux fois grand. C'est comme ça qu'on appelle Todd, le deux fois grand. En lingala, j'ai le concept. Eba, savoir connaître. Mon yebi, le savant. Yebi, ça, faire savoir. C'est ça le mot qui devient ibis chez les Grecs. Donc ils ont entendu Iebisa. Ou le mot Yébi, c'est le savant qui vient du verbe Eba. C'est une mutation de Iba, une mutation de Hep, qui est le nom de l'ibis en Copte. Voilà comment il faut comprendre hein, comment est généré le nom de ce grand Dieu qui est finalement celui qui s'occupe de tout ce qui est intellectuel en l Égypte antique. C'est quoi les mathématiques? Donc, c'est l'extrait du, du Papyrus c'est l'introduction en fait, du Papyrus Rin. Donc, il y a deux manières de lire ce texte. Donc, méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets, ou la bonne méthode d'entrer dans les choses, de savoir tout ce qui est, toute obscurité, tout secret. C'est ça les mathématiques. Alors, dimanche, il y aura une conférence naturellement consacrée exclusivement aux mathématiques, donc je vais y revenir avec. Une dotation beaucoup plus importante. Mais euh, cette partie-ci, c'était pour montrer comment fonctionne la méthode Kuma, comment on arrive à des résultats et, comment, voilà, et surtout pour vous montrer euh, le processus pour générer du sens. Parce que c'est important de comprendre qu'on ne peut pas seulement transitérer et se contenter de cela. Il faut aller au vocabulaire. C'est le vocabulaire qui va vous donner la vérité des choses. Parce que c'est le, le mot qui contient la vibration. Si vous voulez bien, je peux juste euh, éteindre la lumière, euh, cher ami. Alors, donc en fait, euh, nous allons pouvoir engager euh, la conversation sur ce qui nous rassemble ce soir, savoir euh, en fait le sujet du jour, c'est le nom en Égypte le nom de l'Égypte antique, ok.